faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. La voix de Gonzague que les oreilles avalent comme des comprimés. Ce nom est cascadeur. Ceux qui ont l'argent autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi, car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Alors je sais que Dieu va me bénir. Moi je suis un pauvre, mais je sais que je vais mourir. Je suis Sibi Tarisiaka, PDG de la structure SPS Group. SPS est une structure événementielle. J'ai eu une idée depuis toute mon enfance de créer une structure événementielle. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis lancé dans l'événementiel. Dans ma structure, il y a la photographie, il y a la production d'artistes, il y a la logistique et décoration. J'organise toutes sortes d'événements. J'ai organisé un événement le 16 août dernier, le Rien dans les Boutons. Nous avons pu réunir plus de 2500 personnes. Il y a eu des difficultés autour de l'organisation, mais comme on le dit, tout vient en point à celui qui sait attendre. Dieu a permis que tout se fasse bien. Je n'ai pas eu de sponsor. Je n'ai pas eu de sponsor, c'était difficile pour moi, mais je me suis battu et puis ça a été une réussite pour moi. À un moment, les gens m'ont dit que est-ce que je pouvais terminer, parce que j'ai organisé un événement entrée payante, 5 000 et 2 000. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire que d'abord, les gens n'aiment pas acheter les tickets et tout ça. Je me suis dit que même si les gens n'aiment pas acheter les tickets, il faut commencer. Quand tu commences, au moins les gens commencent à s'habituer à toi et puis c'est bon. Oui, j'ai eu des personnes qui m'ont encouragé. Il y a eu des amis qui m'ont encouragé, mes parents et ma grand-mère qui m'a beaucoup soutenu, qui a prié pour que l'événement se passe bien. Je tiens à remercier les cadres de la région de Dabou, les autorités et même la population de Dabou. Cette année 2020, STS Group organise un grand concert. Nous sommes nous préparer, pour le moment on ne peut pas parler de ça. Moi, le message que je veux lancer à la jeunesse de Dabou, c'est qu'elle s'élève pour pouvoir travailler. Il ne faudrait pas qu'elle reste à la maison. Parce que, comme on le dit, il faut s'élever pour faire quelque chose. C'est très important dans la vie de faire quelque chose. Aimer ce qu'on fait, c'est important. Parce que si tu t'élèves aujourd'hui, tu restes à la maison pour dire que quelqu'un viendra t'aider, c'est du pur mensonge. Il faut t'élever pour te battre. Parce qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est très, 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 très important parce que nous avons même connu des gens qui travaillent en fonction publique mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que là, tu deviens indépendant et tu te prends en charge toi-même. Il ne faut pas rester là en train de dire que parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux rien faire. Nous avons connu des milliardaires qui n'ont même pas de diplôme, mais ils sont milliardaires. Comment ils ont bataillé? C'est l'entrepreneuriat. Ils ont fait quelque chose de leur propre main et aujourd'hui, ça a réussi pour eux. Population de Dabou, à très bientôt pour un spectacle avec STS Group. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.